Bonjour Passepartout, bonjour Passe-temps, bonjour Angèle, bonjour Tony, bonjour à vous tous. Très bien. Céline, bienvenue sur le fort. Bonjour. Bonjour Adèle, bonjour Myriam. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors comment ça se passe, cette première prise de contact? Venez, approchez-moi un peu, n'ayez pas peur. Au pas de course. Bien. Alors, Angèle est une partenaire formidable pour vous, je vous le dis tout de suite, parce qu'elle est attentive, elle est en même temps bonne conseillère, vous allez voir, elle va bien vous... cornaqué pendant l'ensemble de cette émission. Bien, alors, on parlait il y a un instant de l'association que vous allez représenter. On peut peut-être en reparler ensemble. Oui, l'association, de manière un peu plus nourrie. Laurette Feguin. Qui veut prendre la parole? Laurette Feguin, bien sûr. Allez. Donc, on va la défendre. Et ils sont là pour collecter des plaquettes, ou pour informer qu'on a besoin de plaquettes. Le plaquette est dans le sang. C'est pour permettre au sang de coaguler. Les malades en ont besoin. Ça ne se conserve pas. Donc, il faut tous les jours, des plaquettes fraîches. Donc, donnez votre sang. C'est pas douloureux. Bon, parfait. On en profite pour saluer tendrement Michel et Stéphanie. Alors maintenant, parlons sérieusement de ce qui vous attend. Première partie de l'émission, c'est pendant 45 minutes la possibilité de récupérer les 7 clés. Le gang vient de retentir. On ne va donc pas tarder. Oui, la boule est toujours un peu nerveuse sur son gang. Pour cette cellule, pour tout vous dire, j'ai besoin de quelqu'un qui est capable d'esquiver les coups. Et je me suis dit, Myriam, ben, voilà que toi, en tant que championne de boxe, qui serait parfaite. Tu vas voir, c'est que cellule va t'aller comme un gant. Attention. Allez, Myriam, on est avec toi. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, Myriam. Tiens, Rémi, tu peux peut-être te mettre contre la porte pour lui donner quelques indications. Elle a repéré la clé. Voilà. Elle a bien compris. Il faut qu'elle dévisse les vis papillons. Dévisse les papillons, voilà. Voilà, pour récupérer la clé tout en suivant son rythme de croisière. Dans le sens simple, tu es bien, tu es bien. Vas-y. Qu'elle coordonne bien ses mouvements. En même temps que une boxeuse. Voilà, c'est toi qui es une grande boxeuse. Allez, viens. Voilà, donc elle se baisse, elle se lève, elle enjambe. Tu tous les papillons. Elle peut peut-être mettre ses deux mains comme ça sur les... Essaye avec les deux mains, peut-être. En tapant comme ça, ça ira peut-être plus vite pour dévisser. Voilà, elle a compris. Voilà. Allez, c'est bon, t'as le temps, t'as le temps. Allez, Myriam. Attention. Lève les pieds. Voilà, allez. Super, elles sont fort bien, elles sont très bien. Attention. Allez, Myriam, vas-y. Surveillez bien la clé de tir. C'est bon, t'as le temps, t'as le temps. Allez, Myriam. Allez. Allez, plus qu'une. Et après, elle tirera bien sur la vitrine pour aller chercher la clé. Ouais. Allez, Myriam. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, le dernier. Attention. T'as encore un peu de temps. Voilà, tire bien sur la vitre. C'est bon. Regarde le temps qui restait là dans la clé de tir. Parfait. Première épreuve. Super. Première clé. Et tu t'es sentie à l'aise, hein? Pas de soucis pour elle. Je crois en tant que boxeuse en même temps. Pas de problème de coordination des mouvements. Tout va très bien. Première épreuve, première clé. Eh bien écoutez, je suis assez confiante aujourd'hui. Je pense on est dans la très bien passé. On se pose partout. Allez, on y retourne.